prendre un petit peu le tempo, la température. Je sais pas si tu as été faire le tour de tout le monde, de nous donner noms, mais quand tu as une minute, tu peux venir nous voir, François et moi, pour nous donner le nom de l'équipe, comme ça on pourra faire partage au public, tout ce qui est l'équipe A ou l'équipe B. Bon, on aura les noms de l'équipe, mais peut-être pas, autre fait le tour encore, j'ai vu. Infini, faire le... Non, elle n'a pas tout fini, c'est grave, on aura le nom de l'équipe au fur et à mesure. Je vois que t'as mis pas mal dans le jeu des bacs d'eau. Alors est-ce qu'il faut aller vite et faire de l'eau ou doucement pour en économiser? Quelle est la solution la plus rapide? On voit que les équipes s'affairent. Voilà, on fait un petit tour au niveau du hardcore, ça se passe comment là? Mathéo, tu voulais faire un petit tour au top pour faire la corde? Ça se passe bien? Très bien. On ne va pas tomber là. Aussi, je vais ramener le son drapeau, le net. Allez, faut tirer fort à corde. Alors, vous allez peut-être gagner encore. Hein. Allez, l'homme de la situation, là, faut que tu tires. Elles ont besoin de quoi, les femmes hein. Allez, on tire, allez. Allez, faut mettre un petit peu plus de force et vous allez réussir à faire au pire hein, de faire moins deux autres, trois autres jeux pour mettre la pâtée. Ne vous inquiétez pas. Mais allez, elle est perdue. Bon, alors pour ça, je sais pas où tu es pour le moment. Donc on va être là au baptême de poney. Donc vous écoutez, moi je vais continuer, hein, je vais rester dans la carrière, arriver. Jean-Jacques, puis ça se passe comment? Toi t'as tenté tes équipes? Non, c'est... Bon, bah écoute. Alors là, je suis le cachot d'équipe. Quelle équipe? Butterfly. Et comment ça s'appelle? Pascal de l'équipe des Butterfly. Cherche le journaliste, il cherche Paul. Alors, où est-il? Où est-il? Je suis avec un équipier, alors... On te remercie Jean-François pour tes mots derrière la manège. Comme on a un peu de peur, il y en a un. Eh ben, t'es pas nous bien. Salut. Bon, comment ça se passe, Christophe? Ah, mais calme. C'est quoi le but de ton jeu? C'est quoi le but de ton jeu, Christophe? Allez, c'est bon, Direct, vous avez de la chance parce qu'avec Florian on est au bar et assisté de Kiki, une heure.
largement leur pression. Donc on va venir vers vous les trabis pour nous amener de la pression. Il y a Aude qui vous amène à boire de l'eau et des sodas. Et tout avec Florian Guigui, on vous amène de la pression. Déjà, il y a 8 pressions devant nous, on a la chance. Hein. 9. On a déjà d'acheter 9 pressions. Au stand de la boisson. On arrive au château de Marie là, avec Stéphane Bonnet, le pony game à fond. Marie, ça tombe bien un peu là le pony game. Ah bah super, un hein, vous super bien. On va voir, on a collé du trachot de bandeau, est-ce qu'on fait un trachot de cavalier hein. Hein, j'en apprends pas, c'est un bonnet de bruit, je crois. Alors moi là j'arrive au parcours de Bordée, il faut se faire guider avec son poney. Jacqueline, alors Jacqueline, ça se passe bien? Ça se passe bien, mais disons qu'avec les yeux c'est quand même mieux. Ah, comme quoi, hein. Et pareil, je sais que quand on ferme des yeux à cheval, on augmente notre sensibilité et on a plus de tact. Eh bien écoutez, hein, c'est un bon apprentissage. Voilà, Jory, elle semble énervée là. Détail important, la casquette des curés de lumière, il ne faut pas la prendre sur la tête des gens. Pas, de... pas du tout ça. C'est absolument pas validé. Jean-François, non parce que tu as fait ta casquette, on t'a pas identifié. Je cherche les manchots. Les manchots, où se trouvent-ils? Seem to care.